fait sombre ici. Ah ben voilà. C'est mieux quand même. Malik. J'ai raconté que déjà, quand j'ai eu mon permis de conduire, j'étais à l'armée, en caserne à Fréjus. Je l'ai eu assez facilement. À l'époque, ils n'étaient pas trop regardants en question permis de conduire. Premier coup, ils me l'ont donné. Monsieur Paul, on fait comment pour vos cheveux? Je les coiffe en arrière comme d'habitude ou alors on cache votre calvitie? Chauffeur, c'était la bonne planque. Moi, mon boulot, je conduisais le capitaine à Marseille. Le capitaine, il m'avait la bonne. Donnait une petite pièce et il me disait « N'est Paul, vous avez quartier libre du moment que vous me retrouviez à 5 heures. » J'allais souvent au cinéma. Oh. J'avais fait des conneries aussi. Un jour, j'ai descendu les marches de Notre-Dame-de-la-Garde avec ma Jeep. Après, je me suis marié. Vous êtes beau, là, comme ça. Oh, bah, tel que je vous connais, monsieur Paul, vous allez faire des ravages, vous. Conduire, ça a été le grand plaisir de ma vie. On a fait des kilomètres avec ma femme. Elle aimait bien, je crois. Elle disait, c'est pas ce que j'ai demandé au bon Dieu, Paul. C'est qu'on meure tous les deux ensemble dans un accident de voiture. Ça va? Vous avez dit au revoir à votre maison? Allez, on y va. Chaud encore ce matin. Vous avez vu la neige tout à l'heure? C'est dommage que ça ait pas tenu. Moi, j'aime ça, la neige. Je trouve que ça ressemble à de la dentelle. Pendant que je suis avec vous, mon ami Julien, elle tient absolument à tailler ses poiriers. C'est pas très malin. Vous feriez pas ça, vous? Ah, excusez-moi. Oui, allô? Non, j'ai pas pensé à vous avertir, non. On va pas faire un rapport en 3 exemplaires pour une quinte de tout. La semaine dernière, quand Georges a eu son problème de froid, là, vous les avez pas embêtés, mes collègues, avec ça? Écoutez, je vais devoir vous laisser, j'accompagne monsieur Paul. Oui, c'est ça, on en reparle tout à l'heure.